Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles. Au nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un sauté de poisson chat au poisson salé séché. Une recette simple à faire, simple à réaliser, bien que long. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients que je vais vous présenter tout à l'heure pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin du poisson salé séché. J'ai pris de la sole que j'ai dessalée toute la nuit et j'ai nettoyé. Mais gardez quand même un peu de sel du poisson salé à l'intérieur. J'aurai besoin du poisson chat. J'ai pris deux poissons chats que j'ai bien nettoyés et fait des entailles. Ensuite, j'aurai besoin de trois oignons. Trois oignons, un oignon que je vais utiliser au départ et le reste pendant la préparation. J'aurai besoin aussi de six à sept gousses d'ail. Moi, j'aime l'ail. Je ne peux pas m'en passer de l'ail. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. J'aurai besoin d'un bouquet de ciboulette de mon potager donc il y a même les fleurs les fleurs là ça parfume très bien si vous n'en avez pas prenez de la ciboule J'aurais besoin des jeunes pousses du laurier prenez le laurier tout simplement hein j'aurai besoin aussi de quelques feuilles de bisap blanc le bisap blanc est très acide et ça acidule bien les recettes de poisson ça donne un bon goût donc j'aurai besoin de une poignée de Bissab blanc, j'aurai besoin de mon assaisonnement spécial viande. Assaisonnement de chez Épice Saveur Culinaire. En ce moment, c'est en promotion jusqu'à fin été. J'aurai besoin d'une bonne cuillère à soupe de ma purée de gingembre. J'aurai aussi besoin de mon assaisonnement spécial grillade et brochette. Toujours de chez Épice Saveur Culinaire. Dépêchez-vous, les promotions sont jusqu'en fin, fin été. J'aurai besoin d'huile pour la préparation de mon plat et j'aurai besoin d'un peu d'eau, demi-verre d'eau pour la préparation. Voilà, ça sont mes ingrédients. Là, j'ai coupé un oignon, j'ai réhydraté le bissap, j'ai eu besoin d'un peu de ciboulette et de l'ail. Je mets tout dans un bol à blender pour mixer tout ça pour faire ma marinade pour assaisonner mon poisson et laisser mariner. Donc on va mettre l'oignon, ciboulette, euh, ail, les, les euh, le laurier, le bisap. On écrase tout ça très bien et ensuite je viens ajouter mon gingembre. J'ai dit j'ai utilisé une cuillère à soupe de gingembre. Donc à vous de voir si vous n'avez pas la purée de gingembre prenez. Un morceau de gingembre. Voilà. Je mixe l'ensemble. Quand j'ai bien mixé, la texture me convient. Je retire euh, le mixeur plongeant. Et je vous montre la texture que j'ai. Voilà ce que j'ai obtenu. Ce qui est brun là, c'est le bissap. Et là, je vais passer à l'étape suivante. Je verse tout mon assaisonnement réalisé tout à l'heure dans un bol. Ensuite, je vais venir ajouter deux bonnes cuillères à soupe de mon assaisonnement spécial grillade et barbecue de chez Épice Saveur Culinaire. Et ensuite, j'ajoute aussi pareil mon assaisonnement spécial viande, toujours de chez Épice Saveur Culinaire, promotion jusqu'à fin été. Et je viens d'ajouter un peu d'huile. Cela permettra que je puisse bien faire le mélange de tous mes ingrédients de mes condiments. On mélange très très bien. Après avoir bien mélangé, nous allons obtenir cette pâte, cette purée. Et là, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement, on va venir assaisonner, badigeonner cet assaisonnement sur nos poissons. Donc, poisson salé et poisson chat. On commence par le poisson chat. On met l'assaisonnement bien à l'intérieur du ventre, du poisson chat. Euh, entre les entailles, on met très bien. Et là, on laisse à côté et on passe avec le poisson salé séché. Vous allez me dire comment assaisonner le poisson salé. Mais le poisson salé, c'est un poisson. C'est aussi un poisson. <laughs> Donc, on assaisonne et on laisse reposer deux heures, minimum deux heures. Vous pouvez faire ça la veille. Deux heures après le temps de repos, je viens verser mon huile. Comme mon huile est chaude à souhait, je viens placer mon poisson-chat et ensuite je place aussi mes poissons salés. Je croyais que ça va filmer, mais ça n'a pas filmé. Mes excuses. Quand c'est doré, je retourne mon poisson-salé, mon poisson-chat, pareil. Et ensuite, je continue à les faire frire. Quand c'est doré à souhait, je retire les morceaux qui sont prêts. Et pareil pour le poisson-chat. On va retirer, si c'est prêt, on retire du... Feu. Voilà, ça c'est prêt, le poisson chat, le poisson salé, c'est frais. On passe maintenant à l'étape suivante. Je vous ai dit c'est un peu long, mais c'est très bon. Là maintenant, nous allons réaliser notre sauce. Je verse l'huile. Comme mon huile est chaude à souhait, je viens ajouter l'oignon. Les deux oignons qui étaient restés, je vais mettre un oignon et demi et je vais laisser les demi à côté pour la fin de la préparation. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement, tout à l'heure, ma marinade que j'ai utilisé tout à l'heure pour assaisonner le poisson. Ensuite, je place les morceaux de poisson salé d'abord. Comme le poisson chat est très délicat, donc on va commencer par le poisson salé. On place le poisson salé. Ensuite, on viendra placer le poisson chat par-dessus. Après avoir placé euh, nos poissons chat par-dessus le poisson salé, on va venir verser un peu d'eau. Donc, Disons un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau, pas un verre d'eau. Un demi-verre d'eau, c'est un sauté de poisson chat au poisson salé. En couvre on laisse cuire au moins 10 minutes sur feu doux. Totalement le feu doux. On baisse le feu. On vient ajouter le reste de l'oignon et le reste de la ciboulette. Et on va laisser cuire au moins 3 minutes. Vous pouvez ajouter le piment, assaisonner selon vos goûts. Et c'est prêt après 3 minutes, c'est prêt. Je retire du feu et. Je vais servir. Mais pour le poisson salé, euh, faut, quand vous allez dessaler ça, faut goûter. Il faut laisser encore le goût du salé dans ce poisson. Si vous enlevez totalement le goût, le, tout le sel, ça ne sera pas possible. Il faut laisser le sel. C'est ce sel-là qui va agrémenter, donner du goût à notre poisson chat. Voilà. Là, je sers mon poisson. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon sauté de poisson chat au Poisson salé séché. Une recette simple, simple, simple à réaliser bien que long. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Vous pouvez accompagner ça avec tout ce que vous voulez ajouter des légumes à côté, à vous devoir. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.